What? What? Ok, Julien. Déjà, je pense qu'entre partenaires, on va se serrer la pince. Bonjour. Enchanté. Bonjour. De même, cher Julien. Ça me fait très plaisir d'être ici, même si j'ai un peu la flippe, pour te dire la vérité. Alors, juste un truc. Ce soir, je joue. J'ai besoin de mes mains, d'accord ? Et ma femme m'aime bien comme je suis. C'est tombé. J'ai amené un petit pyjama pour toi, pour qu'on s'amuse. Ça veut dire que tu vas m'endormir, c'est ça ? Et je suis ceinture noire direct. Voilà, direct. Ouais. C'est bon ça. T'es joueur ? Ouais, je suis joueur. J'aime bien les gars qui sont joueurs. T'es non-voyant depuis toujours depuis. C'est une maladie génétique qui s'est déclarée entre l'âge de 9 et 11 ans. Là, je me décale. Ouais. Le mec m'a dit de me déshabiller, maintenant de le déshabiller et de le toucher. Je peux te dire que le judo, c'est de la bombe, bébé. Ok. Quand t'es non-voyant, tu fais beaucoup plus de câlins aux gens. Ouais. Tu touches beaucoup plus les gens, c'est ça l'avantage. Oui. C'est l'avantage, comme on voit pas, il faut toucher. Eh oui, voilà. Tu profites mon salaud. En tant que magicien, je me disais toujours que le sens qu'on trompe tout le temps, qu'on illusionne tout le temps, c'est la vue. Et en tout cas, moi, d'un point de vue de prestidigitateur, tous les jours, je sais que je trompe des voyants, je les trompe, mais... Et je pense que c'est plus difficile de tromper un non-voyant qu'un voyant. Les autres sens sont beaucoup, beaucoup moins aptes à être trompés. T'es vraiment dans une puissance, quoi. J'ai l'impression que c'est deux taureaux qui s'affrontent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai bien fait de venir. Julien, je me souviendrai de toi toute ma vie. Toi, en compète, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, soit tu gagnes maintenant, et en spectacle, t'as cette même sensation. Ta sensation, c'est soit maintenant t'as réussi, t'as convaincu, t'as fait rire tout le monde, ouais, et les gens sont contents, soit c'est fini. Et moi, je pense que c'est des gens comme toi, des sportifs de haut niveau, qui vont bouger aussi la vision qu'on a sur les sportifs. On est différents. Comme tout le monde. Tu penses que moi, je pourrais faire un bon judoka ou pas? Ah ouais, t'es un bon gabarit, hein. Ouais, ouais. Et tu penses pas plutôt que je pourrais faire du sumo, plutôt? Non, t'as le gabarit de Teddy Riner. Ah ouais, ah oh, Teddy Riner. Oui, c'est un tueur, Teddy Riner.